Et bonjour internautrices et internautateurs, ici Gaëlden pour les jeux du signe. Et éternel, encore et toujours lui. Ah, que coucou, tout pareil. Alors, fin de l'épisode précédent, c'était la bataille pour Karakoum et Pic que je voulais pas faire et que finalement on a quand même faite. Rapide et Et efficace. voilà, rapide et efficace. Et puis, bon, derrière, il a fini de nettoyer. Là, on est au début du tour suivant. Et il vient de dire, ouh là là, ils sont là. Voilà, donc ils sont là. Il y a Thorgrim. Y a aucune armée Ouais, ils full. sont tous cassés, en fait. Et enfin, globalement, à part si celle qui est derrière, où il y a un lance-feu et de l'Ironbreaker, le reste, Ouais, ça y est, donc il a une armée où il y a moitié de héros et deux engins de siège. Verms lui a déjà fait beaucoup, quoi. Et celle de Thorgrim, alors, il y a un gyrocoptère, c'est pas un bombardier. Mais il a quand même des bombes. Oui, non, il suffit qu'il y ait des bombes. Bon, et moi de mon côté, je suis en train de terminer. Ah, je vais voir Gracius. C'est quoi son buff? Je crois que c'est un bonus au trade. Donc ça peut être sur un Lord Ça peut être sur Sunder. n'importe qui. C'est pas un bonus de combat. J'ai pas besoin de le C'est un d'amener. bonus de production de ressources, je crois, et de gain de ressources en trade. Il me semble que c'est quelque chose à Ouais, écoute, Gracius. on verra, je vais le prendre avec. Donc là, j'ai terminé la dent d'or. Ah oui, il a repop juste au dernier tour, C'est ça, Gracius. il est Ah, gentil. t'as du bol. Et Oui, il a pas donc. voulu, Miaoui. Alors, j'ai Village qui continue à se balader comme un trou de balle qui sert à rien du tout. Oui, j'avais eu une attaque aussi, une tentative d'attaque de Skarsnik Ah oui. sur une de mes armées. Mais du coup, il est rentré se planquer chez lui. Trouillard. Bon, et donc, alors, je vais avec mon assassin. On va assauter, faire une petite assaut sur la garnison, mais c'est un échec. Et on va voir si Garth, avec son armée de merde, est capable de gérer Gracius tout seul. Défaite malheureuse. Bon. Là, tu parles de ton armée d'esclaves? Il y a un peu moins d'esclaves. Bah, Est-ce disons que que. Gracius à lui tout seul, il va nager dedans. Bonjour, ah, il a deux lance-ferrailles Gnoblar. Ouais, ça, les esclaves, ils vont pas aimer non plus. Ouais, maintenant, c'est plutôt des guerriers des clans, mais c'est des guerriers des clans sans bouclier, ce qui est pas très très grave contre les ogres. Non. À moins qu'il ait des magnéteurs avec pistolet, Il a et des encore. magnéteurs avec pistolet, il a des crash tromblons, des crash plombs. J'arrive pas à savoir si les crash-ponts sont considérés comme une unité de tireur ou si c'est déjà presque de l'artillerie en fait. Bon, Ou je vais si c'est peut-être une aller équipe faire le d'armes. ménage avec. Ça me fait un peu perdre un deux tours, mais bon, allez, c'est pas grave. Hop. On va nettoyer tout ça. Et. Tac. Ouais, tout de suite, victoire décisive, perte faible. Pif paf pouf. L'affaire est dans le sac. Au revoir, Gracius. C'est qui a chopé le buff du coup? Bah, c'est. C'est Snitch. Droit de D'accord. douane du revenu du commerce plus 10%, revenu généré par tous les bâtiments plus 10% en province locale. Ouais, ça aurait presque été mieux sur un autre. Bah ouais. Et j'ai chopé mes derniers régiments de renom. Roue infernale et abomination de la fosse. Hop. Putain, ça va être chaud de garder le moral ici. Oh là là. Quel cata. Bien. Grimgore, effectivement, il vaut plus grand chose. Ah oui, il y a effectivement un pot verte, un lune crochue, un perpétuel Non, là. il est super étalé, la ligne crochue.
toi tu es à moins 24, t'es très hostile, quoi. Très chill, très hostile, moi. Ah ouais, ça lui plaît pas que j'attaque la dent d'or. Ça lui plaît pas du tout. En même temps, de toute façon, maintenant qu'ils sont finis, ça va finir par baisser. Ça va finir par baisser. Mais bon. Ok, du coup. Hop. Ici. Ah, j'ai mentor, ça c'est bien. Partage 15% avec les autres seigneurs et 20% avec les héros. Quoi, cette garnison de tarés? Je peux pas voir. Ah, nain de Dieu. Ah, quoi que. Est-ce que Lightning Strike ça marche là? Ouais, non, ça marche pas. Ah oui, Snitch, il avait une embuscade, mais. Pourquoi est-ce que ça s'était pas fait le... Non, pas Snitch, le combat contre. Karsnik? Contre Skarsnik, pourquoi ça Parce qu'il avait attaqué ma deuxième armée, mon armée de zombies, ah oui, t'avais en attaque éclair. Et que du coup, j'avais pas mon Strigoi, j'avais pas l'armée de mon Strigoi avec. Ouais, mais du coup, t'avais fui. Du coup, j'avais fui. Bon, et là, lâche. C'est déjà net. Putain. Je perds toutes mes ghouls des cryptes. Ouais, sinon, t'as siège. Bon, ce ne sont que des ghouls des cryptes, mais effectivement, on va plutôt le laisser sortir. Ensuite. Bon. Ah oui, alors donc, typiquement, je suis le prochain sur la liste pour Thorgrim. Alors, toi, tu peux. Rush. Et j'y serai dans deux tours. J'ai pas de raise dead de dispo. Allez, ça lag. Ah, et tu bouges. Je bouge. Pas trotte, mais c'est la même région. D'accord. Ouh, qu'est-ce qu'il fout la carte Cadrine? Qu'est-ce que la carte Cadrine? Bah, il s'est étendu. Bah non, mais... En fait, il a une armée à moitié morte, en plein territoire, qui se lève, avec aucun... Aucun, aucune région aux alentours, quoi. C'est étrange. Hop, alors, ça, c'est les petits rebelles qui sont bientôt morts. Là j'ai tout ce qu'il faut, donc on va partir là-dessus. Et il va falloir aller maintenant s'occuper des hommes lézards. Move tails. Hop. Boum. Hop. Aucun intérêt. Mais. Les sous. Réduction est une recharge là parce que j'y suis. Hop. Voilà, jusqu'à même, c'est pas terrible, c'est quand même un peu dangereux. Là, j'ai tout ce qu'il me faut. Alphonse, il faudra peut-être le booster un tout petit peu. Et on part en marche forcée. Ou pas. Finalement, j'y serai en deux tours.
turn them to rat fodder. Et toi? Coucou, le petit Tomlizard. Ouais, c'est ça qui va me coûter cher en fait. Hop, un petit pillage. 61, putain, c'est naze. C'est complètement sans intérêt quoi. Ces régions, c'est vraiment pour dire que je prends tout le sud de la carte. Hein. Parce que... Ça va me demander une énergie. Pour vraiment rien. C'est un peu saoulant. Alors, qu'est-ce qui s'est pas déplacé encore? Toi, toi, c'est 10 bandes directes. Tu m'as été parfaitement inutile. Enfin non, tu as été parfaitement utile, mais... Maintenant, tu ne me sers plus à rien. Et je vais effectivement sans doute aller manger de l'orque. Dorénavant. Hop, Saturon. Et tac. Alors. J'ai plus beaucoup de sous. J'ai moins de sous, on va dire. Tout le monde s'est-y déplacé. On s'est déplacé, sauf toi. Ça me mangerait si tu as pété. Échec total. Ça peut arriver. Alors, qu'est-ce qu'on peut construire? Col de Wyrm. Voilà, il va falloir de la notoriété. Oh, mais tiens, voilà. Alors, l'hélice, ok. Troll. Ça serait bien si je pouvais booster lui. Il arrive. Et... Ici, tac. Ordre disponible. Non, pas celui-là. Mais celui-là. Autorité. Non, 11, moins 17, moins 10, 0. Ah, la cité maudite. Je vais pouvoir commencer à collecter. Eh ben non, si je collecte les revenus, ça... Pas dans le drame. Ah, Oblast de l'Ouest. Oui, mais c'est que j'ai mon armée dedans. Ouais. C'est vraiment dramatique. L'ordre public dans toutes mes régions. C'est juste... C'est hallucinant. Bon, j'ai fini. C'est la joie de la corruption, Skaven. Hein. Ah, c'est délirant. Tiens, je pourrais faire ça. Ça, ça me coûte rien et c'est de toute façon utile. Ouais, j'aurais pu le faire. Entretien moins 13, ça me fait des sous. Ça, c'est quand même de toute façon toujours du bon. Tac. Ça va même peut-être bien me mettre avec Morse. Agitateur d'os. Ah! Je peux faire du commerce avec Kemler ou avec la Sylvanie. Ouh, la Sylvanie renforce 106. Bah oui, ils sont à côté de Zubar et de Karakadrin, hein, donc... À mon avis, profitant parce qu'ils vont peut-être pas durer très très longtemps. Non, non, j'ai fait avec la Légion du Tertre, du coup. Kemler, il est reparti. Ouais, enfin il est en guerre contre l'Empire qui a l'air quand même assez... Bah, il a réussi non seulement à survivre, mais à défoncer l'invasion de Karak Ziflin. Ce qui est déjà pas mal. Je tablerai plus sur Kemler que sur la Sylvanie. Ouais, peut-être même qu'ils vont se faire confédérer.
circule en morse. Moi, ils veulent pas. Hein. Ah, mais il est jusque là-haut, au Karak Kadrim. Ah oui, d'accord, j'avais pas vu. Oui, c'est ce que je te disais. Allez, fin de tour. Qu'est-ce qu'ils vont me faire par ici? T'es fou, là, en attrition. C'est un peu n'importe quoi. J'aime bien parce que... Ah, qui se lève. Et ouais, ça, j'arrive. C'est quoi, c'est qui sort? Non, il m'attaque. Ah, c'est... C'est qui se lève qui l'attaque? Tu penses que ça se joue ou c'est mort-mort? Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Avec les invoques, avec les murs, peut-être que... Je vais prendre pas mal d'invoques, on va se dire que le combat va durer. C'est à l'Estralcy avec des invoques sur la tronche, c'est vrai qu'ils vont moins faire les malins peut-être. Je sais, ouais, ça peut passer. Ça reste du salci, hein, c'est quand même... Ouais, mais... Ça va être chaud, chaud, chaud. Il a quand même pas grand-chose. Il a pas grand-chose. J'ai pas grand-chose. T'as des murs. Enfin, mais j'ai ça. Des murs. J'ai des murs, j'ai des tours... Ah, le gros problème, bon, ça, l'avantage, il a que 38 de magie. Ouais. C'est moi, déjà ça. Moi j'en ai pas. Il va pas trop te pilonner. C'est-à-dire qu'il a vraiment rien pour prendre les murs en fait. Je la connais celle-là. Bah, il va être obligé d'y aller avec ses Strelci et ses Cossards et bon. À moins d'avoir un bélier qu'il faudra lui défoncer en priorité. Tu me diras, même s'il rentre, il va rentrer avec quoi, juste ses cavaliers. Ah oui, c'est celle où tu avais perdu ton Strigoi la première fois. Voilà. un peu trop gourmand. Un mauvais souvenir. Et où j'avais un tiers de mon armée qui était resté bloqué sur deux murs. Sans vouloir avancer. Ah, logiquement, il est susceptible de faire et qu'on la l'a même gagné chose. De façon moche en prenant le point central. Ça, c'est ça. Non. Pas celle-là? Non, on l'avait contourné. Il me semble, non, t'avais Kemmler qui était arrivé après. Alors oui, il y non, avait... c'est pas Kemmler, c'est Gorst. Hellman qui avait débarqué, mais... Bon, c'est, bref. C'est curieux quand même de voir qui se lève en ville, Skaven. Oui, je reconnais que... Alors, comment est-ce qu'il est placé? Ah, il s'est bien éclaté. Trois groupes. Trois tours d'un côté. Il a tous ses Strelci d'un côté. Ah non. Alors, il a un Strelci et ses deux sorcières avec ses cavaliers complètement sud-ouest. Ouais. Ah, il a des tours. Il a trois groupes, et en là, fait. Et là, c'est trois... Il a plein de tours. Marrant. Ah ben, il a six tours, oui. C'est marrant. Donc là, il va chercher à défoncer le mur, défoncer la porte, je pense. Ouais, je vois pas trop avec quoi, mais... Bah, avec ses cavaliers. De toute façon, il ne peut faire que ça. Ouais. Donc je vais mettre les anciens squelettes. Bah, ils sont là pour ça. Hein, c'est... Tiens, du fufu. Ouais. Je sais pas trop ce que je vais aller fufuter, mais ok. L'avantage, en fait, c'est qu'il est complètement dans ses tours. Est-ce que je peux attaquer une tour au corps à corps? Je sais pas. Je sais pas du tout. J'ai jamais essayé. Parce que là, en fait, le truc, c'est qu'il a, à part complètement au nord, où il a une unité à pied, sinon, sud-est, toutes ses unités sont dans les tours. Donc, Je sais pas trop ce que je vais faire de la catapulte. Je pense que je vais la mettre au sud. Face à ses unités, face à ses unités à pied, non Bah, moi je l'aurais éventuellement mis au nord pour aider à péter ses tours, voire tirer sur ses Strelci à pied. Ok. Mais bon. Je sais pas, je... Non, mais je savais pas trop, donc... Parce que de toute façon, c'est au sud, ses cavaleries vont arriver sur la porte très vite. Tu vas faire quoi, une unité de Strelci, et c'est pas sur ses lourdes que tu vas faire quelque chose. Donc, tu vas essayer... T'essayes de gérer avec... Qu'est-ce que je te donne d'autre pour défendre le point le point sud? Je sais pas trop. On est, tu laisses. Alors, le truc, c'est que là. Je me rappelle plus comment est-ce qu'elles sont dirigées les tours.
Parce que là, on a quand même deux tours qui sont quand même plutôt bien placées. Donc, à mon avis, je pense que tu laisses tes deux guerriers des clans ici, voire même éventuellement un seul pour blinder ailleurs. Je te donne trois guerriers des clans en plus. Ça te laisse largement de quoi gérer ces unités-là. Ah, bah oui, C'est ça va même un peut-être peu même être trop, un peu too peut-être. Ouais, much, mais mais. je laisse deux guerriers des clans. Voilà. Mon avis, c'est suffisant. Faudra juste Ici. par contre que tu donnes les ordres de tir au tour parce que ça, moi, je peux pas le Ah faire. oui. Les lanciers, je vais les mettre là. Les clan rats. Ces strelts-ci vont pas faire grand-chose sur les Ah unités. merde, les guerriers des clans, ils sont pas. Je vais les faire sortir. Il y a avec les guerriers des clans et j'espère que je peux attaquer les tours au corps à corps. Je sais pas du Je tout. pense pas, de toute façon, je vais te dire, à mon avis, tu pourras peut-être les attaquer, mais tu n'en feras pas grand-chose. C'est un peu ma crainte. Je ne m'en rends pas compte. Bah, au moins ce sera un test. Qu'est-ce que je lui mets? Qu'est-ce que je lui mets au nord, là? Cossard en armure et Strelsi. Donc dans l'idéal, il faudrait que je pas celle du milieu, une des deux droites, ça serait bien. Est-ce que ça sert à quelque chose que je contrôle la tour qui est là? Dans l'idéal, il faudrait que je pète celle de gauche. Ouais, si tu peux focus celle avec les cossards en armure de tour. Ok. C'est ceux qui vont faire le plus de dégâts quand ils vont débarquer, mais. Celle-là ne servira à rien du tout. Je vais voir si cette tour-là, elle peut faire quelque chose. Et celle-là, à mon avis, elle sera trop loin. Je vais leur mettre lui en plus. Ça aurait peut-être du mal à gérer. T'as deux tours qui sont pas maniées côté Lord. Ouais, je me suis pas encore occupé du. Et qui sont bien sur le côté. Celles-ci, elles sont très très bonnes. Parce qu'elles sont inatteignables. Je me suis pas encore occupé de Ouais. la zone sud. Ok. Tu dis, ah oui, celle-là, là, sur le côté. Les deux sur le côté, elles sont très très bonnes, celles-là. Alors, ouais, mais du coup, il faut que je mette deux unités dessus. Et puis, vrai, c'est que t'en as une qui, effectivement. Alors, suite, parce que t'as des rampes pour descendre, mais oui, ça va te prendre deux unités. C'est le problème. Mais en même temps, je pense qu'elles sont beaucoup plus efficaces à activer les tours que combattre au corps à corps, donc. T'as 500 points, t'as même pas de quoi construire une tour, si, une tour niveau 2 peut-être. Je vais faire une tour bah, justement plutôt au sud. Je vais pas bien, je suis quand même pas super méga confiant. Est-ce que je peux faire une tour intéressante? Il n'y en a pas beaucoup des tours intéressantes. Bah, le truc, c'est que ces troupes là serviront pas grand ces sorts serviront pas à grand chose parce que à moins qu'ils puissent cibler les murs mais normalement il me semble qu'ils peuvent Non, pas non. donc du coup ces deux lanceurs de sorts vont servir à rien. Et Le oui. danger c'est sa cavalerie qu'il faut focus avec toutes tes tours du coup. Parce que là, je peux mettre une tour. Quitte éventuellement même à faire Je sortir peux tes mettre guerriers des clans pour une. éviter qu'ils pètent la porte, je sais pas. Je sais pas trop. Là, ah, si, il y a deux tours là en théorie, elles sont où et tout. C'est chiant Ah là haut. de pas pouvoir voir l'arc de tir des tours tant que la partie n'a pas commencé. Hop là. Bon, on va la mettre là, je sais pas trop ce que ça va donner. Mais... Allez, c'est parti. Ah, le problème, c'est que si je sors les. Ouais, mais ils vont se faire focus du coup. Alors, les invoques. Je vais en balancer. Je vais commencer par en balancer une contre les Strelsi qui sont sortis. Hop. Et hop. J'ai ce petit sort que je vais attendre un tout petit peu. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que tu peux me dire si les deux Ah tours. merde, attends, il faut que je donne les ordres de tir du Oui, et tour. si les deux tours que j'ai pris de mon côté les plus éloignés, est-ce qu'elles peuvent tirer sur quelque chose ou pas? Parce que moi je vois pas les arcs de tir là.
Alors. Ou est-ce que je rapatrie les guerriers parce que du coup ils servent à rien? Alors, tu veux que je tire sur les cossards en Sur les armure cossards, sur en... la tour des cossards en armure. Ouais, non, je peux pas les attaquer les tours avec les au corps à corps. C'est normal. Bon, je n'ai plus de remonter sur les murs. En fait, je vois pas non plus les angles de tir des tours. Ah ouais? C'est un peu bizarre. Oui, c'est curieux. Tac. Je vais ramener du monde. La vie, ça ne sert à rien. Ensuite, tac. Pareil, costard en armure lourde. J'étais sur la canne. Hop, tac, tac. Le problème, c'est que tu vois pas si les ordres de tir sont donnés ou C'est pas. ça. Donc c'est un peu pénible. On verra bien. Si on arrive à en péter une, tant Hop, mieux. tac. Je pense qu'on n'en pètera pas beaucoup plus. Tac. Si j'ai l'impression, en fait, quand j'ai une icône rouge, c'est que ça peut pas tirer. Quand j'ai une icône dorée, c'est que ça peut tirer. C'est un peu mon impression. Mais donc du coup, ça voudrait dire que là, clairement, celle que je vais entourer là, tac et tac, celle-ci, ça sert à rien. Oui, d'accord. Mais je les ai rapatriés, je pense que Ouais. l'autre, à mon avis, elle sert à rien non plus. Elles sont Et trop loin. là, par contre, je peux tirer sur la tour des Cossards. Ah ouais? Ouais, avec Avec celle qui est tout à droite? les deux, ouais, avec celle qui est tout à droite. Bon. Je vais laisser là du On va coup. voir ce Hop. que ça donne. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas? Ouais, ça tire. Ça fait rien, mais ça tire. Bah, ça fait rien, mais ça va pas très vite, donc. Ah 10% par salve, sachant putain! que mes tireurs à moi ont parfois recommencé. Non, vous n'êtes pas sur la bonne tour. Vous n'êtes pas sur la bonne tour. Oh bah c'est bien là, catapulte, t'as tout compris. Vous n'êtes pas sur la bonne tour, putain, mais. Oh! Les cavaliers ils ont pris cher, ils ont pas aimé les tirs des tours. Bon il y a la mère Catherine. Effectivement, c'est pas fou du tout. Il y a la Et mère puis celle-là, Catherine qui attaque la elle sert à porte. rien. Elle va pas attaquer grand chose. Ah, une claire bombardement. Seul. Sais pas, c'est déjà le deuxième qu'elle lance. Et tout à l'heure, elle l'a lancé sur ses troupes, c'est ça que j'ai pas compris. Ah, donc elle peut lancer sur les sorts, sur les murs, du coup. Elle attaque la porte toute seule avec ses petits bras? Ouais. Ah oui, effectivement, les cavaliers, ils ont pas trop trop aimé. Non, ils ont pas trop aimé. Hop. Ouais, non, effectivement, les tours, on n'en fait pas grand-chose. Défoncer les Strelsi. Avec ça. Bon, et bah, je vais essayer de tenir les murs comme je peux. T'as pris cher. Petit tir de catapulte dans ta tronche. Ah si tu meurs, il y a une tour là. Je sais pas si elle arrivera jusqu'au bout. Moi je les tomberai pas les tours, je pense. Et même pas midlife. Ouf. Aïe. Arrêtez de gâcher vos munitions, descendez. Bon, les lanciers sont HS. Où est-ce qu'elle est mon unité de... Oh putain, il faut qu'elle fasse tout le tour. Eh ouais. Les échelles. C'est un peu le problème de cette map. C'est que c'est la merde pour tout Tac. Alors. Et pourquoi vous avez pas bougé, vous, nom de Dieu? Ça me saoule, ça. Non, c'est pas du tout ça que je voulais faire. C'est la tour que je voulais J'ai une petite guerrière sélectionner. des clans qui veut pas bouger là. Oh putain. Coincé comme des glands. Hop. Ah, 30%. Attendez, peut-être une que tu vas tomber, ouais. Ouais, peut-être. Ouais. La mienne est encore à 43, je la tomberai pas. Ok.
Je relance. Pourquoi est-ce que il les regarde monter sur les... Non, c'est bien. Il regarde les gens monter sur les échelles. C'est bien. Non, Mais mais... ils essayent de savoir d'où est-ce qu'ils sortent les échelles, c'est pour ça. Ils sont fascinés, comme tout le monde. J'ai pas réussi à la tomber. Et moi, est-ce que j'y suis arrivé du coup ou pas? Pas vraiment. Toi. Cossard en armure lourde, je sais pas si tu gères. Pas sûr. Là, je vais manquer de monde. Celles-ci qui ont débarqué les premiers sur ton mur, ils sont déjà en unbreakable. Ouais. Oui, la porte, elle en est où? Oh oui, tu meurs à la porte. Effectivement. C'est au nord où je vais avoir le plus de mal. Ouais, moi, je garantis pas que mon point, ça va très bien se passer non plus, mais... Bah en fait, effectivement, les tours ont bien fait le taf. Là, je suis en train de défoncer sa sorcière. Ouais, non, moi j'étais, c'était pas de ton côté que j'étais le plus inquiet. Le truc c'est que Katrina tout seul, elle fera pas grand-chose. Donc Oh, mais les effectivement Serbes. les Putain, autres points ça va être chaud. les Strelsi, ils sont entrés et ils sont descendus. Pétard. Non, bah il y Tranquille, en a comme pépère. ça. Non, non, mais... Et Ah, du coup, ils ont ta défoncé ma quête elle va pas capitale. aimer. Ouais. Du coup... Bah, en même temps elle a plus grand-chose sur quoi tirer là, mais... Non, mais Et c'est... puis les autres ils continuent à descendre tranquille. C'est Hein. ça, non, mais c'est... Et tes guerriers par contre ils fouillent rien là donc c'est concept. Putain. Bon, moi de mon côté ça tient. J'ai les Cossards en armure lourde qui viennent Non. de claquer leur buff. Ok, Et faut... je vais te filer du monde. La mère Catherine. C'est que tu veux que je gère toute la partie sud avec ce qui reste juste la mère Catherine? Ouais. Elle est sur ours ou pas? Elle est niveau 16, donc elle doit Elle être est sur. sur ours, ouais. Ouais. Ça Bah va peut-être j'ai. être ça, ça va peut-être être ça le plus chiant. T'as une unité de lancier. Bah du coup la main tu peux rapatrier les deux qui sont sur les tours, hein, parce qu'ils servent plus Ouais. à rien. Et comme c'est deux lanciers. Tac tac tac. Non mais à la limite. Non mais on va continuer comme ça. J'ai Ouais. encore deux invoques, je les balancerai au nord. Ouais, il a une unité qui fuit déjà, une unité de stress ici aussi. Allez, 4 secondes. Son héros est Appuyez. mort. Est-ce qu'il avait un héros en plus? D'accord. Ouais, il avait une Mortel. sorcière en plus. Ces cossards sont en fuite, ça c'est bien. Qu'est-ce qu'ils foutent? Putain, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Ouais, évidemment, il fuit vers l'intérieur. Ça me saoule, sérieux. Ouais, non, mais c'est ça. Ça, je vais te faire ça. Comme ça, ici. Gentiment. Je vais te prendre du debuff dans la tronche. Et tu vas aimer ça. Ouais, c'est bon. Il va perdre. Moi de mon côté, c'est bon, c'est en Non, train de. Il vient de tout se ça claquer là. baisse déjà aussi. Sauf qu'évidemment, c'est con, ils ont récup à l'intérieur des murs. Ça, Ouais. j'adore. Putain. Ouais, sinon, c'est pas drôle. Hop. Pas du tout complètement pété. Bon, ok. Donc là, clairement, bah voilà, Catherine, la mère Catherine, du coup, est rentrée. Parce qu'il y a des connards Qui sont sortis pour qui lui ouvrir sont les portes? sortis pour qui lui ont ouvert gentiment les portes, quoi. D'accord.
faut que tu bouges tes Ouais. deux lanciers. Je te les ramène. Non, c'est bon, t'en as pas besoin Bah non, toi. mais va t'occuper de Catherine, hein. Non, mais c'est bon, Moi j'ai pas besoin de mon côté, ça tient. il y a plein de monde sur Et Catherine. dès que j'ai fini de mon côté, je vais essayer d'aller aider au nord. Il y a vraiment plein de monde sur Catherine. Déjà. Bah il faut que t'aies du lancier en fait, c'est ça le truc. Elle Le truc c'est lance du qu'elle a sang. encore un peu de magie. Bah c'est bon, ça a lâché. Ça a lâché complètement de mon côté, enfin j'espère. Il y en a un qui a lâché complètement. Je ramène mes troupes de ton au nord. Ouais, non, même au nord, en fait. De quoi? Même au nord, il est HS. Donc je dis, hein, les tours quand même, ça fait le taf. Hein. Non, et puis Ils les avaient quand invoques. même pas grand-chose. Hein. Les invoques, ça fait le taf aussi. Ouais. Bon, c'est bon, là ça a lâché total aussi. En fait, il va lâcher au moral. Même Ouais. la mère Catherine, elle va lâcher au... Elle a pas de quoi lutter, là. Je ramène les ghouls pour l'empoisonner, ça Ils fait ont toujours quasiment ça de mieux. tous, ils ont quasiment tous lâché au centre, au nord. Ouais. Ah putain, t'es sérieux. Oui, il y a ces unités de Kossa en armure lourde qui se baladent sur les murs. Très bien foutu de récup. Je vais leur enlever les guerriers des clans qui sont le plus mal en point. Si tu veux, elle a attaqué de toutes parts. Elle a bavoué un joli nounours. Ouais, mais elle a un joli nounours quand même. Ouais, mais elle a, maintenant, Ah, elle vient de claquer son buff de morale c'est là, ouais. ça. C'est fini, Catherine. Ouais, et les derniers Kossa en armure qui restent sur ton mur ont claqué leur bonus de Ça. morale aussi. Hop. Ok. Bon, voilà. Bon, fois 4. Ils ont Ouais, c'est lâché. bon. Déroute Hop. totale. Le truc, c'est que du coup, il aurait fallu rester sur les murs pour essayer de péter un maximum de trucs. Ouais, mais c'est pas grave, j'ai une armée qui est en fort. Je ne peux pas. Hop. Allez, boum. C'est quand même pas passionnant comme phase. Voilà. Tu la sentais pas. Ouais. Non, mais en même temps, quand t'es capable d'invoquer 6 fois. Ça aide. Enfin, je sais pas, c'est quoi, c'est des unités de 160. Donc, ça fait 960 scaven. Mine de rien, ça aide. ça représente ce que j'avais, en fait. J'ai doublé mes effectifs, rien qu'avec les invoques, quoi. C'est pas tout à fait honnête. C'est Skaven, hein, après, voilà. Les S'ils avaient lances. pas ça, ils galéreraient méchamment, je pense. C'est pas faux. Effectivement, sans tes invoques, on la passait peut-être pas. Ouais. Parce que t'as eu quelques batailles depuis le début où sans invoque, ça passait peut-être pas. C'est possible. Et encore, après, j'arrive pas à savoir si c'est SFO ou si c'est Warhammer 3, le fait que les invoques Skaven se Je débloquaient sais dans pas. le Je ne sais pas. Ça joue aussi pas mal, ça. Ouais, non, mais c'est clair. Des invoques qui sont permanentes, c'est même, en fait, Peut-être un peu too much. presque un peu too much. Allez, il me semblait que c'était des esclaves que t'invoquais à une époque, pas des guerriers des clans. Ah, si, ça, je crois que ça a toujours été. D'accord, je croyais que c'était des esclaves que t'invoquais. Il me semble. Hein. Ouais, à la limite, ce serait des esclaves que tu invoquerais C'est en ça. permanent. Bon. Ça, c'est donc c'est le côté guerrier des clans plus permanent qui fait peut-être beaucoup. En fait. Vous n'avez Ouais. pas pris de prisonnier à la Constitution. 0%. Allez. Move away. Même pas, elle a pas bougé. Ah ouais. Elle a même pas reculé. Ah, Skrir. Qu'est-ce qu'ils te veulent? Mis fin à l'accord commercial. Ouais,
Ouais, Trop donc puissant, trop, trop. elle est restée en siège, quoi. Donc là, si elle reste comme ça dans 6 tours, j'ai Elle est perdu. restée en siège? Ouais. N'importe quoi. Elle a... Oh putain, t'as Karakadrine juste à côté. C'est pas bon ça. Oui. Ah, Heureusement. ça, moi, ça, c'est Certniche qui sort. Ah. Et c'est en close, et du coup, en close, je ne perds à rien. GG. Et poum! Au revoir! Heureusement que j'ai mon 8% de armée de régène soutien qui ou 2000 PO. Dans les 8% de régène, c'est peanuts. Oui, sachant que tu vas régénérer au début de ton tour. Non, parce que j'ai pas pris la ville. Ah non. Une de plus? Ah non. Ah oui, mais puis pas n'importe laquelle. Bah oui, c'est Archaon, sinon c'est pas drôle. Ah putain. Bon, ceci étant, Score. ils ont pas l'air très très costauds, mais... Oui, mais il est en plein milieu. Oui, t'as raison, il est juste 30 force 11. Et il est juste en plein milieu de mes villes. Quand je vois la balance of power, c'est pour... Il est en plein milieu de mes villes. D'accord. Eh ben oui, hein, Dans voilà, les vouloir provinces du détendre au Nord. nord. Je En même t'ai temps, pas t'as plus appelé. vraiment de challenge au sud, donc... Ouais, tu m'étonnes. Ah putain, victoire à la Pyrrhus, c'est hyper. Voilà, mais c'est n'importe quoi. Voilà, enjoy. Mais c'est n'importe quoi. C'était vraiment très utile de me déclarer la guerre pour ça. N'importe quoi. Et défenseur du grand plan qui t'attaque. Pourquoi j'ai pas les autres en renfort? Attaque éclair, non? Il est en attaque éclair, Battle March. Non, toujours pas l'air. Tenter à porter. Ben je vais reculer. Il attaque la deuxième du coup. Et il attaque la deuxième du coup. Bon. Bah, de toute façon, et qui est pas non plus avec. Bah non, maintenant que t'as reculé avec l'autre, ça c'est normal. Bah, pas forcément, ça dépend de combien il recule. Ah bah là, je le vois, moi il est plus sur l'écran, donc... Ouais. Bah, moi je le vois pas, donc. Bah, on fera ça au prochain épisode, les gens. Bisous! Bisous, bisous, et à tout de suite.